Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux produits que j'ai eu sur Amazon. J'ai eu plusieurs produits, mais je vais vous les montrer sur plusieurs vidéos. Donc, un que vous connaissez peut-être, enfin certains le connaissent peut-être. Alors, vous allez le voir à l'envers, je suis désolée, mais je vais vous le remontrer face bureau après. Le Glossy Accent. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour le coloriage. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer sur une page de coloriage. Donc le Glossy Accent, c'est un liquide qui vous permet de faire comment on va dire du relief, voilà, transparent. Vous pouvez le mettre sur du papier, du carton, du verre, du métal, du plastique, du bois, plein de choses. On s'en sert beaucoup pour le scrap, pour la carterie surtout, voilà. Et on va s'en servir pour le coloriage. Le deuxième produit, ça va être un produit de la marque Winsor Newton, voilà. Donc pareil, vous allez le voir à l'envers, mais je vais vous le remontrer face bureau. C'est le Iridescence Medium, donc un médium iridescente. Voilà. Donc c'est un flacon comme ceci, et vous voyez la couleur. Donc c'est vous le voyez comme ça, mais c'est un liquide transparent qui est rempli de toutes petites paillettes. C'est vraiment c'est des micro paillettes qui sont dedans. Donc ça c'est pareil, on va s'en servir pour nos coloriages, par exemple quand on fait des fées, pour les ailes des fées, des papillons, sur les fleurs, voilà, toutes les choses qu'on en veut qui brillent, voilà, on va se servir de ça. C'est un produit que j'ai découvert sur Amazon. Je l'ai découvert dans aucune vidéo. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui s'en servent hein, sur YouTube, mais j'ai pas trouvé sur YouTube. Donc voilà. Tout à l'heure j'ai fait un essai déjà pour voir ce que ça donnait pour le glossy. Et ça fonctionne très bien avec le coloriage, il n'y a aucun souci. Donc ça va vous donner un effet 3D. Voilà, je disais un relief, mais c'est un effet 3D. Vous allez dire, bon, pourquoi donner un effet 3D sur un coloriage, puisque le coloriage, il n'y a que vous qui allez le voir, mais bon, c'est justement pour vous, donc pour que ça fasse joli. Et dans les coloriages aussi, on va s'en servir aussi pour les yeux. Donc, ça va donner du relief aux yeux des personnages que l'on fait. Voilà. Bon, là, je vais vous montrer ça sur mon livre brouillon. Voilà, celui-là. C'est mon livre quand j'ai les nouveaux produits sur lesquels j'ai fait des essais. Donc, il y a déjà un peu de tout dessus, et c'est un livre, comme je vous dis, quand j'ai un nouveau produit, j'essaye dessus, comme ça, si ça fonctionne pas, bah, j'ai pas de problème. J'ai moins de remords que ça fonctionne pas. Voilà, je vous montrerai également d'autres produits, d'autres choses en vidéo. Donc, c'est encore un Winsor et Newton. Alors, vous vous rappelez, je l'avais fait tomber sur mon pantalon. J'en ai racheté un, du coup. C'est ça, la peinture or. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part pour vous montrer ce qu'on fait avec. Donc là, maintenant, je fais bien attention hein, de ne plus le mettre sur mon pantalon. Et j'ai trouvé également, j'ai repris
les blenders de Prismacolor. Voilà. Donc, ces deux crayons blender Prismacolor. Puisque Chouchou m'en a déjà pris un. Et j'ai trouvé également des crayons gomme. Donc, je vais voir ce que ça donne. Si la vidéo n'est pas trop longue, je ferai l'essai sur la vidéo. Si c'est trop long, je ferai sur une autre vidéo, je verrai. Donc, c'est des crayons gomme comme ceci, comme des crayons. C'est une gomme rouge qui est à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Vous voyez, les pointes sont rouges. Et c'est du Faber-Castell. Donc, pour gommer vraiment, vous savez, les tout petits endroits que l'on voudrait gommer. Moi, j'ai toujours, bien sûr, ma gomme électrique. Gomme électrique que j'ai dû... j'en avais acheté une à Chouchou, mais que j'ai dû renvoyer parce que la sienne est tombée en panne. Et je vous ferai une vidéo parce que je lui en ai racheté une autre. Mais du coup, j'ai pris une autre marque pour lui. Je vous ferai une vidéo dans la semaine pour vous montrer celle que je lui ai repris. Donc, la sienne, ils me l'ont repris, me l'ont remboursé à 100%. Donc, il n'y a pas eu de problème. Je vous parlerai justement de mes remboursements, de ce que j'ai renvoyé. Parce que j'ai dû... j'ai aussi redemandé qu'on me renvoie un stylo. Alors, j'ai celui-là. Donc là, j'ai pas eu besoin de le renvoyer. Il m'en renvoie un directement. Celui-là, j'ai pas besoin de le renvoyer. Mon feutre Faber-Castell que je vous avais montré, blanc. Il ne fonctionne pas. Voilà, il est sec. Donc ça, je vous en reparlerai quand je le recevrai. La boutique n'a pas cherché à comprendre. Il m'en renvoie un. Donc, je vous donnerai le nom de cette boutique et tout lors de la prochaine vidéo quand je l'aurai reçu. Sinon, ben là, dans les produits, c'est tout. Je vais encore recevoir une ou deux choses, je crois. Et il y aura des bouquins. Donc, il y aura encore des vidéos pour les bouquins. Donc là, on va. Donc ça, je le range pour l'instant. Ça, je le range pour l'instant. Si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, je vous montrerai. Sinon, on le fera sur une autre vidéo. Là, je vais vous faire mettre le téléphone face bureau pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. J'ai choisi un dessin, bon c'est des poissons, sur ce livre là je n'ai pas de personnage, donc comme là il y a des petites bulles, tout ça, on va faire avec ça. Là je n'ai pas du tout de personnage hein, dans ce livre, donc vous voyez, je vous remontre la couverture, voilà, c'est simplement relax, voilà. Et donc voilà le produit, Glossy Accent. Il y a donc une petite pipette. Hein. Alors là, je ne l'ai pas encore mis, donc j'espère que ça va aller. Quand vous avez ce flacon, je vous conseille, dès la première utilisation, de mettre une épingle là, dedans. Parce que sinon, vous allez avoir ici, ça qui va se boucher, parce que c'est un genre de colle, hein. Donc ça va se boucher. Donc je vous conseille de mettre une épingle après chaque utilisation pour éviter que ça se bouche. Voilà, sinon vous allez avoir des problèmes pour le déboucher, c'est galère. Alors, avant de faire ça, ben, on va colorier un petit peu. Donc là, je vais juste prendre mes Enacolor. Donc, c'est les Enacolor normalement aquarellables. Mais bon, je peux les utiliser à sec. Alors, c'est des bulles, c'est plutôt bleu. Donc, à faire, on va faire avec la bonne couleur. Hein. Voilà. Vous voyez ? Voilà, les Enacolor. Donc c'est vrai que ceux-là, je ne les utilise pas beaucoup.
Donc, je vais faire d'abord mes petites bulles. Voilà, on va les colorier. Alors, c'est vrai que moi, le Glossy Accent, je l'ai toujours utilisé, donc comme je vous dis, surtout en scrap. Pour faire des dots, voilà. On va faire les quatre bulles, hein. Comme ça vous verrez. Et le deuxième produit, on l'essaiera sur le poisson. Voilà. Et la dernière. Alors, malgré que c'est juste pour faire un essai, je vais faire mon petit relief quand même sur mes bulles. Bon, normalement les bulles c'est pas vraiment bleu comme ça, hein, mais et mais ces crayons-là, malgré qu'ils sont aquarellables, même à sec, ils vont bien. Hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces crayons-là. C'est pareil, ils ne sont pas très très chers. J'ai plus le prix en tête, mais vous les recevez dans une boîte en métal. Et la dernière petite bubule. Voilà. Alors, je vais prendre un petit papier de brouillon pour voir si mon. Vous voyez, eh ben voilà. J'ai pas mis d'épingle tout de suite. Ça ne coule pas. Ah si, ça y est, ça coule. Ouh là là. Et ben ça, je vais le laisser comme ça. Ça me fera. Ça va sécher. Ça me fera un dot. Bon. Allez. Donc on ne dépasse pas. Hein. Je vais vous. Voilà, vous verrez mieux.
Donc là, je fais pour que ça aille jusqu'au bord. Voilà. Donc ça va donner du relief à votre coloriage. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un fou sur le flacon. Hein. Le petit dernier, là on y va en douceur parce qu'il est tout petit. Voilà. Donc voyez, ça fait déjà voyez, ça fait des demi-perles si on veut. Donc je peux le faire sur l'œil aussi. Alors l'œil, on va lui faire. Comment je peux faire son œil? Là, maintenant, il faut laisser sécher, hein. Il faut attendre. Bien sûr, ça, vous le faites quand vous avez fini tout votre coloriage. Faites pas comme moi. Là, je vous le fais parce que je vous le montre comme ça. Et là, je le ferai en dernier, l'œil, hein. Parce que je vais vous montrer quelque chose avant. Je cherche mes couleurs. Voilà. Alors, je cherche du noir. J'ai pas ouvert le dernier. Alors, quelle couleur va-t-on donner à ce petit poisson? Oh, je ne sais pas. Allez, j'ai envie de le faire rose. On va lui donner du rose. On va faire un poisson multicolore. Hein. Bon, faites pas attention au coloriage là, c'est vraiment à l'arrache. Oups là, vous voyez, c'est vraiment à l'arrache, c'est bien ce que je dis. Donc là, il faut quand même un petit peu de temps pour que ça sèche, suivant la grosseur que vous avez fait. Bon là, je vous fais un colo tout simple, hein. Donc faites pas attention aux défauts.
C'est vraiment pour moi vous montrer les techniques des produits que j'ai pris. Voilà, petite tête rose. Oui, je sais, c'est un poisson bizarre, mais... Je ne vais pas faire le poisson en entier, hein, je vous rassure. Voilà, je vais m'arrêter là. Hein. Parce que là, je vais vous montrer aussi, du coup, avec le doré. Voilà. Bon, le reste du poisson, ce n'est pas grave. Alors. Allez, j'arrive plus à remettre. Ah, voilà, j'arrive plus à remettre mon crayon en place. Bon, le crayon de couleur, je n'ai plus besoin. Je vais avoir besoin, c'est de... Alors, de... Comment? De pinceau, c'est ceux d'action, hein. D'abord le doré sans le faire tomber. Donc le doré, je vous remonte, c'est ça. Donc là je vais le secouer parce qu'il n'est pas secoué. Voilà. Ah, j'ai peur maintenant avec ce truc. Donc je prends un pinceau comme ça, assez fin. Bon, ça me va. Alors, je vais vous... avancer. Ça fait vraiment une très belle couleur, hein. Ce doré là, il est magnifique.
Donc là, pour ça, vaut mieux prendre un pinceau fin. Vous passez peut-être un petit peu plus de temps. Mais au moins, vous faites ça régulier. Bon, je finis sa tête hein, quand même. Cette peinture là or existe en cuivre, en argent, il y a d'autres choses aussi. Je crois que je vais me la prendre aussi en argent et en cuivre. Voilà. J'ai débordé un petit peu sur le noir, mais là il est tard. Mes yeux n'ont plus le soir, c'est pas terrible. Donc je referme tout de suite ça. Voilà, ça me rassure. J'ai un petit chiffon. Alors pensez, bon là je l'ai pas tout de suite sur moi, je ferai après. Pensez à rincer vos pinceaux. Non, Fifi, là tu peux pas. Tu peux pas tout de suite, mon bébé. Non. Parce que là, si tu viens y mettre les papates. Donc voilà. Vous voyez, mes bulles commencent à sécher. Hein. Et on voit bien à travers. Et maintenant, donc, je vais vous montrer celui-ci. Le médium iridescente, voilà, donc de Winsor Newton. Donc on le secoue. Là pareil, je vais prendre un pinceau pas trop épais. Donc, vous avez un bouchon sécurité hein, dessus. Et là, on va en mettre bah, sur le rose hein, pour que. Ah, je vais vous ravancer. Voilà. Vous voyez, donc vous voyez, c'est vraiment rempli de micro paillettes. Pas la peine de faire plusieurs couches, hein. Voilà. Bon, les pinceaux d'action perdent leur poil, hein. C'est pas les meilleurs, hein, mais bon. Vous voyez, donc faire des ailes de fée, tout ça avec ça, ça c'est superbe.
Voilà. Fermer tout de suite mon flacon. Ah, j'ai peur maintenant quand je laisse mes flacons ouverts. Voilà, donc ça, c'était celui-là. Je vais vous montrer. Voyez. Et donc, on va lui faire son petit œil. On va lui faire une petite. Allez. Ah, je dois laisser une aiguille. Vous voyez, même pour pas longtemps, il faut laisser une aiguille. Voilà. Voilà, son petit œil. Donc voilà, les trois produits pour dire d'améliorer un peu vos coloriages, leur donner un petit peu de peps. Donc là, est-ce que c'est pas encore tout à fait. Le tout petit, oui. Ah mince, j'ai mis mon ongle. C'est pas malin ça. Pour leur donner un peu de peps, donner du relief, donner un peu de brillance, de la paillette. Voilà. Donc, je vous remonte les trois produits que j'ai utilisés. Donc, le Glossy Accent, donc pour faire les petites bulles. Donc, vous pouvez utiliser donc pour faire des yeux, des bulles, toutes sortes. Je vous montrerai hein, de temps en temps ce que je fais avec. Celui-ci, donc le médium iridescente, pour faire partout où vous avez besoin de mettre de la paillette. Et celui-ci, le Winsor & Newton Gold. Donc voilà. Vous voyez, c'est comme si la poudre d'or est dans le fond, là, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut le secouer. Je ne sais pas si c'est il y a quelque chose d'écrit en français. Non, ils disent juste de nettoyer plume et pinceau immédiatement après usage, à protéger du froid. Parce que vous pouvez le faire à la plume. La plume, c'est-à-dire, vous savez, les plumes que dans le temps on écrivait avec, voilà, ou au pinceau. Voilà. Donc la petite boîte, c'est ça. Voilà. Donc tous ces trois produits, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver. Je ne sais pas si j'ai été très longue la vidéo, non, ça va. Donc je vais quand même vous montrer du coup les gommes Faber-Castell. On va voir ce que ça donne parce que là je n'ai pas essayé du tout. Donc je vais voir avec vous ce que ça vaut. Là bah, du coup je n'ai pas essayé donc, hein, je vais reprendre un petit crayon n'importe bon, quelle couleur hein, c'est pas grave. Allez, on va gommer faire un peu ici.
Et on va faire comme si, hop, oh mince, j'en ai mis dans le trou. Attendez, je vais vous ravancer pour que vous voyez bien. Voyez, donc j'en ai mis dans le trou, là où il fallait pas. Donc on va essayer avec cette gomme. Pour voir ce que ça vaut. Peut-être que au niveau des... Si, ça va. Bon, faut que je vois avec les autres crayons aussi. Peut-être que ceux-là, ils marquent fort. Bon, on va essayer avec un autre. Ça, c'est les polychromos. Je vais essayer avec un polychromos. Bon, pareil, n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Allez, ma feuille sera un peu rose. Oups, j'en ai mis dans le trou. Allez, on va essayer. Bon, ça gomme, mais ça laisse une trace. Ouais, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Deux crayons gomme. Alors, pour gommer, corriger avec précision, convient au crayon graphite, crayon de couleur ainsi qu'au fusain. Parfait pour créer des pointes de lumière et éclaircir des couleurs. Oui. Donc, c'est plus pour travailler nos couleurs, voyez, que pour gommer une erreur, je pense. Alors... Voilà, si je veux éclaircir par exemple ma couleur ici, on va faire un plus grand, on verra mieux. Voilà, je voudrais éclaircir là, je vais éclaircir là. Voilà, c'est plus un peu pour ça que pour gommer vraiment une erreur. Par contre, le crayon gris, je pense que là, ça doit le gommer, vraiment. Voilà, oui. Voilà, le crayon gris, là, il n'y a pas de problème. Donc la gomme niveau couleur, c'est vraiment pour jouer sur les détails, c'est pour travailler notre couleur plus que pour gommer une erreur. Voilà, bon, on va dire que ça peut être utile, mais pas pas besoin. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était cela. Les gommes Faber-Castell. Ah, je ne vous ai pas montré le crayon en entier. Alors, voyez. Je mets Faber-Castell. Et là, c'est la référence. Voilà. Avoir sur des grands dessins quand on veut vraiment jouer avec les lumières. Voilà, ça va plutôt servir à ça. Ok. Et mes petites bulles. Où en sont mes bulles? Bon, ça colle encore un peu.
Il vous faut un petit peu de temps, comme j'ai dit, hein, le temps que ça sèche vraiment. Mais je vous dis, voilà vraiment ce que ça va vous donner. Alors, je vais essayer de vous montrer en relief. J'essaye de vous montrer. Voilà, voyez? Le relief que ça va, ça donne à votre dessin. Voilà. Bon là, l'œil, j'en ai mis moins. Hein. Et voilà les petites bulles. Donc c'est pas mal. J'avais fait un essai pour voir si ça allait. Alors, je sais plus. Ah, ici. Yeah, mais bon, c'était vraiment tout petit là. J'avais essayé. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, je pense pas. J'avais fait un œil. Et l'œil, j'avais fait noir en dessous. Et là. Et j'avais pas fait les grosses, elles sont pas très grosses là. Donc voilà, mon petit poisson avec ses petites bulles. Donc avec ces produits, cela et celui-là. Donc voilà, les trois produits que je voulais vous présenter aujourd'hui avec un petit tuto pour vous montrer comment s'en servir et à quoi ça servait. Mais au fur et à mesure des coloriages, quand vous me verrez m'en servir, je vous ferai des arrêts vidéo dessus pour vous montrer ce que j'en fais, des ralentis sur les parties où je m'en servirai. Voilà. Mais bon, j'aime bien, ça donne une petite touche supplémentaire à votre coloriage qui donne son effet. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ces trois produits, n'hésitez pas. Moi, je vous mets tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Thank you.